Ils ont des différences. Ça n'a pas d'importance. Ils sont plus forts quand ils sont ensemble. De vrais amis, divers tatous. Tous les jours, ils vivent des aventures. C'est la vie. Aujourd'hui, comme chaque année, le meilleur des chasseurs de notre clan, ainsi que son fils ou sa fille, devront partir à la recherche d'une fleur extrêmement rare qu'on appelle la main à six doigts. Cette tradition permet aux chasseurs d'explorer la nature sans violence et de transmettre à son enfant son savoir sur la nature. Cette année, le meilleur chasseur est l'art. Tous les ans, c'est pareil. Et Tom, ils sont ex aequo. Hein? Ouais, génial. Ouais. Oh, c'est nul, c'est la seule fois de l'année où je peux passer du temps tranquille avec mon père et je vais devoir me coltiner face de tâche. À tout à l'heure, mes chéris. Salut, maman. À ce soir, chérie. Hé, hey, allez, vois le bon côté des choses. C'est vrai, regarde, à nous quatre, on va vite trouver la fleur et la rapporter au village les doigts dans le nez. Les six doigts dans le nez, même. Vous avez compris? Ah non, il n'est pas question que ton gros lézard vienne avec nous. T'oublies ça. Hé, hey, d'abord, c'est pas toi qui décides. En même temps, tu sais que si Tatum vient avec nous, tu vas passer ton temps à jouer avec lui. Là, pour une fois, on va pouvoir passer du temps ensemble. Il faut en profiter. Désolée, Tatum, mais tu peux pas venir. C'est quelque chose qu'on doit faire ensemble avec mon père. Tu comprends? Mais on se reverra demain, d'accord? Salut! Où est-ce qu'on va comme ça? À la Grande Muraille. Ouais, c'est là-bas qu'on trouve la fleur chaque année. Oh, génial! Je suppose qu'on passe par le volcan alors. Non, on passe par le pont suspendu. Quoi? Oh. Mais c'est le chemin le plus dangereux. Écoute-moi bien, Tom. C'est moi qui vais chercher la fleur chaque année. Alors c'est à vous deux de me suivre en silence et puis c'est tout. Voilà la Grande Muraille. Cette année, c'est toi qui grimperas pour aller chercher la fleur. Pas question que tu restes en bas à me regarder comme les autres fois. Dis, t'es sûr que ce tronc est assez solide? Allez, Lude, à toi! Bah allez, vas-y, face de tâche. Honneur aux nazes. Ouais, j'ai peut-être une tâche, mais moi je suis pas un gros trouillard. Attention. Retrouve à la Grande Muraille. Bon, allons-y, mon garçon. Plus vite on partira, plus vite on les retrouvera. Oh, oh non! Là! C'est dans le sabre! Il est sorti de l'eau! De quel côté? Sur notre rive! Dépêchons-nous, il ne doit pas nous retrouver. Allez, mon grand, arrête un peu de faire la tête, détends-toi. C'est un peu plus long par là, mais on va y arriver à cette grande muraille. Mais je veux pas y aller. Hein? Et pourquoi ça? Mon père veut que je l'escalade. Il sait bien que je pourrais jamais parce que j'ai le vertige, mais lui, il s'en fiche. Tu sais, Lude, quand j'avais ton âge, moi aussi j'avais le vertige. Ah ouais, c'est vrai?
Mais c'est de l'histoire ancienne maintenant. Oh, quoi? C'est trop fort, sans rire, t'as plus le vertige du tout. Mais comment t'as fait? Et hop! Pour vaincre son vertige, il faut prendre l'habitude d'avoir la tête en bas. Oh. désolé, mais je vois pas bien le rapport. Ah, t'as qu'à essayer, tu verras. Qu'est-ce que t'as à perdre? D'accord, allez. Allez, baisse pas les bras, faut persévérer. Recommence, je te tiens si tu veux. Ouais. Hé, regarde, j'y arrive. Super, maintenant je te lâche, et c'est tout seul. Je sais marcher sur les mains. Ouais. Une, deux, une, deux. Plus haut les genoux. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Bon, faut se fabriquer des lances. Pourquoi? On n'a pas besoin d'avoir des armes, on a déjà Tatoum. Tu parles d'une protection. Celle-là, s'il te plaît. Merci, Tatoum. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on fait. Fabriquer une lance, c'est quelque chose de sérieux. Voilà. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle une lance parfaite. Voilà, j'ai terminé. Même pas fichu d'attacher une pierre à un bâton, bravo. Sale dino de malheur, maintenant ça suffit. Fiche le camp d'ici, allez, ouste. Hop, hop, où tu vas comme ça? Tu es sous ma responsabilité pour l'instant, alors tu vas rester là avec moi. Tatoum est parti à cause de toi, et on pourra plus se défendre contre Dents de Sabre. On aurait eu une excellente lance si ton imbécile de dino ne l'avait pas cassé en deux. Bon, le tigre ne nous a pas encore trouvés. On va aller chercher la fleur en faisant le moins de bruit possible. Quoi? Mais on s'en fiche complètement de cette fleur stupide. Braver le danger et cueillir cette fleur stupide, comme tu dis, fait la fierté de ma famille depuis des générations. Compris? Ça, c'est ma priorité. Moi, ma priorité, c'est de retrouver mon meilleur ami. Alors va chercher la fleur si tu veux, mais moi, je vais rejoindre Tatoum. Tim, reviens ici tout de suite, t'as entendu? Tant de sabres traînent dans les parages, tu ne dois pas rester tout seul. Tim! Attends, il faut que je te montre quelque chose. L'écho, c'est génial pour se mettre une idée en tête. Lude n'a plus le vertige. Vas-y, à ton tour. Je suis plus fort que la Grande Muraille. Plus tu crieras fort, mieux ça marchera. Tes pieds sont de poisson pourri. Tib. Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'il est passé cet enfant? Tatoum, est-ce que c'est toi? Sors de là! Oh merci, qu'est-ce que je fais sans toi? Oh, papa! Tim, est-ce que ça va? J'ai entendu tant de ça! Oui, tout va bien, Tatoum l'a fait fuir! Mais, et mon père alors? Où est-ce qu'il est? Il est parti à la Grande Muraille! Dents de Sabre est parti par là-bas aussi! Tu vas laisser mon père tranquille, ta tête spéciale débile! Lude, merci pour ton aide, mon fils! Tatoum! Papa, j'y vais. Bien, mon garçon, fais honneur à ta famille. Tu vas nous laisser tranquilles à la fin. On t'a rien fait, nous. Non, Tatoum. Allez, dépêche-toi un peu. Tu devrais déjà être en haut. Tim, recule-toi. Thank you.
Qu'est-ce que t'as fabriqué encore? De tout! Elle est pourtant pas difficile à grimper, cette fichue muraille. Oh, ça va, de toute façon, papa, t'es jamais content de ce que je fais. Et d'abord, tes trucs anti-vertige, ça marche pas, Tom! Des trucs? Mais de quoi il parle? Écoute, Lude, je dois t'avouer que je t'ai un peu menti, je suis désolé. Malheureusement, il n'existe pas vraiment de remède miracle contre le vertige. En fait, je voulais seulement que tu prennes confiance en toi. C'est de ma faute, Lude. J'aurais jamais dû te crier dessus, excuse-moi. Tu te débrouillais très bien, mais je mettais beaucoup trop de pression sur tes épaules. Avec toi aussi, j'ai été dur, Tige. Hé, regardez, là! Un, deux, trois! Ouais, génial! Eh ben, c'était une sacrée aventure. Ouais, n'empêche, vous avez vu la tête de Dent de Sabre quand Tim lui a tiré la queue? Et quand tu t'es retrouvé coincé sous ta toume, tu rigolais moins, là, hein? Ouais, t'as pas tort, je l'avoue.